Reflet d'image. L'image qui impacte. Nous impactons par l'image. Une véritable immersion dans les procédures parlementaires aujourd'hui à travers cette journée de formation. Donc il était opportun pour nous de maîtriser un peu les tenants et les aboutissants de cette nouvelle constitution promulguée. On ne communique mieux que ce qu'on sait maîtriser. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de nouveaux éléments qui nous permettent d'étayer ce qu'on a déjà appris sur cette constitution. Ça nous permet de mieux professionnaliser l'information, de sortir du sensationnel. Cela permettrait donc aux journalistes que nous sommes de savoir comment manipuler le langage parlementaire dans nos papiers. Au-delà de cela, on a traité également de la responsabilité sociale des journalistes qui doivent tenir compte des contextes dans lesquels ils sont dans la production de leur contenu. Et j'estime aujourd'hui que cette formation va permettre à tous les journalistes qui ont été donc à cette rencontre de renforcer davantage leur contenu et de rester dans les règles de l'art. Il suffit de ne pas vous avoir dans la chaîne que nos informations ne puissent être connues du public. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons estimé nécessaire de démarrer ce renforcement de capacités. Aujourd'hui, nous voulons des institutions plus fortes. Nous voulons plus de stabilité. Nous voulons renforcer notre présence aux côtés de nos populations, c'est elles qui nous ont fait confiance. Nous voulons faire en sorte que la grande vision du gouvernement portée par le chef de l'État, son Excellence M. Faure Sozim Nanya Singbe, vision que nous résumons en disant que le Togo, notre pays, a besoin d'être en paix, d'être une nation moderne, une croissance économique, inclusive et durable, donc qui ne laisse de côté aucun Togolais. Que cette grande vision puisse recevoir un coup de fouet dans le sens de l'accélération de sa concrétisation. Et c'est ce qui justifie la loi numéro 2024-005 du 6 mai 2024 portant la constitution de la 5e République. Je souhaite que ce temps que vous allez passer avec nous soit beaucoup plus interactif. On communique mieux ce qu'on connaît. J'ai été accompagné par mon grand frère, l'honorable Gogé. C'est ensemble que nous faisons la chose. Nous avons un point commun dans ce pays, c'est la population. Comment la rendre heureuse.